Siesti devenu une véritable tradition, un moment de communion, ce mardi 15 août, alors qu'elle est en vacances à Saint-Barth depuis déjà plus de 3 semaines, Laetitia Hallyday s'est rendue sur la tombe de son époux, Johnny Hallyday, pour une veillée entourée de fans. Un moment de partage émouvant qui lui tient à cœur. Un joli moment de partage, autour d'une sublime chanson. Arrivée à Saint-Barth depuis fin juillet pour ses vacances d'été, Laetitia Hallyday a choisi le 15 août pour retrouver les fans de son mari, Johnny Hallyday, autour de sa tombe ce mardi. Et comme elle le fait chaque année, si esti avec eux qu'elle a profité d'une superbe veillée, particulièrement émouvante, au son de la chanson Sur ma vie qui raconte l'histoire d'un amour perdu. Visiblement touchée, assise devant la tombe et éclairée par les nombreuses bougies qui illuminaient le lieu, la veuve du taulier a profité de cet instant suspendu et a s'accroché aux paroles de cette chanson moins connue du grand public mais écrite par Charles Aznavour. Autour d'elle, les nombreux invités ont également vécu ce moment, partagé en story Instagram par la quadragénaire. Depuis la mort de Johnny Hallyday fin 2017 et son enterrement à Saint-Barth, ses veillées autour de sa tombe sont devenues une tradition à chaque venue de sa veuve Laetitia sur l'île. Souvent accompagnée de Jade et Joy, leur fille désormais âgée de 19 et 15 ans, ou d'amis, elle est en tout cas toujours disponible pour les fans de son mari qui viennent se recueillir toute l'année sur l'île. Une jolie soirée qui s'est conclue pour la jeune femme par une célébration religieuse pour fêter l'Assomption, en ce 15 août. Toujours vêtue de sa longue robe blanche, et très souriante, la petite fille de Mamie Rock a suivi les habitants de l'île pour une procession dans les rues jusqu'à une petite église. Bientôt de retour à Los Angeles, difficile de savoir, désormais, si les fans du chanteur la retrouveront pour une nouvelle veillée avant son départ de Saint-Barth à la fin de l'été. Dans quelques semaines, elle devra en effet quitter son petit paradis et revenir à Los Angeles avec ses filles, pour la rentrée scolaire. Et cette année, un gros changement va s'opérer. Si Joy, qui vient de passer son brevet, continuera sa scolarité au lycée français de Los Angeles, son aînée Jade Hallyday, quant à elle, débutera ses études supérieures dans une école de mode réputée de la ville. Passionnée de design et de couture, la jeune fille avait déjà fabriqué une robe qu'elle avait montrée à ses abonnés en avril dernier. Et pourra donc continuer de s'améliorer pendant ses études. Pour un destin à la Stella McCartney, devenue l'une des plus grandes créatrices de mode après avoir été la fille d'un chanteur célèbre. On ne lui souhaite que cela.